tous, c'est Capitaine Flamme et nous nous retrouvons aujourd'hui pour ma vidéo spéciale changement d'éléments. Donc ça fait un bon moment qu'on l'attend. Comme vous pouvez voir, je viens de monter niveau 188 face au Doppel. Donc logiquement, je vais vous montrer la vidéo avant celle-ci, donc vous devrez déjà l'avoir vue. Donc moi je vous fais un petit topo. Donc là je vais vous faire le chemin jusqu'à Otomai. Et une fois là-bas, on mettra les stats et puis après on fera un point de vue sur le stuff et tout ça. Donc moi je vous dis à tout de suite et bon chemin d'Otomai. Et nous voilà devant Otomai. Donc vous allez pouvoir, j'ai eu un petit fail dans le Doppel Roublard, dans le Temple Roublard, pardon. J'ai fait deux fois l'aller-retour sur la même map, je pensais pas appuyer sur le petit bonhomme pour sortir. Donc nous sommes devant notre ami Otomai. On va lui demander de changer sa constitution. Utiliser la deuxième popo pour garder mes pare-chutages. Prendre la deuxième. Voilà. On perd les reliques. Et alors, on va monter à 400 la J. Attends. Non, on va faire autrement. On va d'abord ce stuff. Voilà. Je vous montrerai le stuff après. Donc là, on est à 500. Donc on va. Oula, c'est pas ça que je voulais faire. Les stats. Donc faudrait que je monte. Je sais pas c'est combien de points moi. 500. Voilà, pile 500. Donc il va me rester 435 points à mettre en vitalité. Donc ça va être pas mal. Je vais voir comme ça. 731 d'agi. Ouais. On va aller tester ça au push tout de suite. Donc moi je vous montre le nouveau skin de mon roublard qui est juste magnifique. Enfin moi je trouve. On va mettre plutôt ça. Voilà. Et moi je vais vous présenter le stuff que je vous ai déjà montré dans de maintes vidéos. Mais maintenant qu'il est sur moi, je vous le remontre. Donc nous avons le chapignon avec les 10% de rési. Les couteaux à champi, j'ai basique, j'ai un OP APM, caprin, voilà aussi avec les résis, DD prune, j'ai aussi une DD prune émeraude à mon enclos, je changerai au fur et à mesure de ce que j'ai envie de faire, des sandales albinos, voilà, ceinture rasboulaire, aussi avec les résis, anneau collerette, aussi avec les résistances. Racine hueuse. Donc là j'ai chié pour trouver un bon jet. Mais bon, j'ai dû payer un peu plus cher. Mais bon, je l'ai eu. Qui me donne le titre conquérant de la lumière. Mon tutu plus 12. Mon offuscawatt 42. Ralentisseur majeur. Acrobate majeur. Tacleur majeur. Et ravageur air. Majeur. Donc on va aller au putsch. Ça va aller assez vite. Donc on va tester si les dommages sont bien. Sinon, là, je mets, soit je mets les points restants en vitalité. Ou bien je monte encore jusqu'à 400. Ouais, 400, mon avis, l'agilité. Et le reste, je mettrai en vitalité. Donc, les 3000 de vie seront passés largement, logiquement.
de toute façon. Donc on va tester ça. Ah non, merde, j'ai oublié de faire quelque chose. J'ai oublié de restat mes sorts. Donc on va aller tout en bas, il y a le Doppel. Il y a le Doppel IOP tout près. Désolé, un petit fail, hein, ça arrive. Heureusement que j'y pense maintenant. Par contre, ce que je vais faire, ma maîtrise de dague, je vais la mettre à la place de la maîtrise. On va bouger nos sorts. Hein. Alors, maîtrise de dague, elle est là. On va changer les sorts. S'il veut bien, voilà. On va mettre la tornabombe ici. La dague boomerang là. La bomba, on va la remplacer là. Et Espingole, on va le mettre en premier. Voilà, donc ça va un peu me changer d'être 10 PA de base aussi. Donc je suis 10 PA à 5 PM. Avec la DDM rouge, je monte à 6 PM. Je vais vous montrer aussi les stats. Enfin, je vous montrerai ça quand on aura choisi. Si on allait se mettre 300 AJ et tout le reste. Mais je pense pas que 100 points ça va changer énormément. Faut que je regarde par rapport en fait au coup critique des dagues. Donc si on approche les 500-600 coups critiques, ben, je mettrai le restant en vitalité. Donc, échanger des deux plans, désapprendre un sort. Voilà. Donc on va oublier la bombe à eau. Vous oubliez tout ça, on a s'entraîner. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux pas m'entraîner avec un Doppel avec des sorts pas montés. Désapprendre un sort. Là, on va désapprendre Tromblon. Est-ce que j'ai encore. Je devrais avoir 30 points. C'est parfait. Donc maintenant, Reski. Vous voyez, hein, mes calculs sont assez justes. Donc logiquement, je devrais pile avoir assez pour monter. Dag Boomerang, Espingol et la bombe. Et la bombe. La tornabombe. Voilà. Donc ça, c'est bon. J'ai toujours logiquement encore 2800 et quelques doplons. Donc on va monter la maîtrise de dague. Ah non, j'ai oublié d'enlever la maîtrise. Voilà ce que j'ai oublié. Échanger les doplons, désapprendre un sort, payer. Donc il y a plusieurs personnes qui vont m'engueuler. Qui vont m'engueuler parce que ben, j'ai pas monté certains sorts. Bon, je vais essayer comme je vous l'ai dit. Problème c'est je pensais que j'allais diamanter pas mal de sorts. Mais le truc c'est que les prix des parchemins de sorts ont monté. Ils sont à 500 000 unités maintenant. Donc ça va mettre du temps à parchoter des sorts. Donc je vais bien voir ce que je vais faire. Je vais peut-être baisser par exemple. Comme j'ai énormément de PO, ben, peut-être bot, je vais le remettre niveau 5. Ou garder parce que je gagne peut-être niveau 3 peut-être bot niveau 3, ça c'est pas encore sûr, pour pouvoir monter rémission niveau 6. On va monter la tornabombe, très important. Voilà, encore quelques points. Voilà, donc je sais pas si vous ça vous arrive, mais moi de temps en temps quand je monte des sorts, je veux aller tellement vite qu'en fait je clique sur un mauvais sort et je le monte d'un niveau. Donc souvent ça me fait chier parce que ça me fait dépenser des doplons pour rien. Mais ça m'arrive souvent sur des. Genre quand je monte des persos niveau 1 à 20, là quand j'ai monté ma mule métier. Ah bah ça m'était arrivé, ça m'avait fait vachement chier. Ça va pour le moment, j'ai pas fait de fail. Voilà, et un dernier. Voilà, c'est parfait. Donc mes sorts sont montés. On va aller tester ça au Punching Ball. S'il y en a un dispo. Voilà. Par contre, ce que je vais sûrement faire, c'est je vais essayer de faire des clips de mon roublard, faire des coups critiques et tout ça pour vous montrer. Et je vais peut-être demander à Sapeux qui est le propriétaire de la chaîne Dofus Community HD. Donc il fait des montages sur son Zobal, il fait des montages avec Sony Vegas, il fait vraiment bien ça.
Donc je lui ai demandé si, enfin, il m'avait déjà proposé si je voulais, et je lui ai dit que je le ferais quand je serai un peu plus haut niveau, que quand j'aurai des jets, ben, des jets pas mal. Par chance, il n'y a pas de putsch. On va attendre quelques secondes. Voilà, il y en a un niveau 100. On bloque le combat. On va quand même enlever le mode tactique, hein, c'est pas beau. On va commencer par tester les dagues. Je fais pas de coup critique pour commencer. Pourtant, je suis 1 sur 2. Hein. Vous pouvez voir. Ah non, 1 sur 5. Voilà, c'est 467. 550. 530, pardon. Je vais vous monter ça. Pas de CC, encore une fois, c'est assez dommage. Ça me semble pas mal hein, comme j'ai, non? Logiquement, je devrais être 1 sur 2. Je vérifie. Oui, je suis 1 sur 2. Je fais pas de CC, je sais pas pourquoi. Voilà, 340 en CC. C'est plus que parfait, j'ai envie de dire. Voilà. Non, on va tester les dagues boomerang. Là aussi, je suis 1 sur 2. Voilà, presque 400 en CC. Voilà, 404. C'est parfait. Mon avis, tous mes points vont aller en vitalité. On va tester les murs de bombes. Voilà, 282 dès le premier tour, c'est parfait. J'aimerais bien quand même retester les dagues. Ah, s'il a encore assez de vie. C'est vrai que c'est un peu faible les coups critiques. Mais je pense que c'est pas mal hein, puisque je risque de beaucoup être boosté, vraiment utiliser les dagues au dernier moment des combats. J'ai quand même envie de monter à 400, mais c'est vrai que pour gagner presque 500 points de vitalité, c'est pas négligeable. Attends, je vais regarder. 437. Ça me manque à 538 plus. J'hésite. Je vais retester. Je vais refaire un putsch avec des. Avec que des dagues. Et puis je me déciderai. Faudrait qu'il réapparaisse. Allez. Allez. Au pire, je fais une petite ellipse. Et je vous reprends quand il est là. Ellipse. Donc le voilà. On va recommencer. Et on va retester ça. C'est con que ça fait pas de CC quand même. Voilà. Encore un. Non, pas de CC. Ça me semble pas mal. Je trouve quand même. Si je fais 3 CC, ça me fait quand même. 3 x 500 plus ou moins, donc c'est vraiment pas mal à mon avis. Avec un nini ou quoi, enfin 2 PA en plus, ben, ça peut monter à 2000 de dégâts, donc c'est pas négligeable, je pense. Je vais garder tous mes pas pour mettre en vitalité. 3400 plus ou moins de vita, c'est vraiment pas mal, je trouve. Voilà, même sans la maîtrise, ben voilà, je fais des coups critiques. On va se booster, voilà ce qu'on va faire. On va se mettre des PA en plus. Donc fin du prochain tour, je devrais avoir mes PA. Voilà, on va rajouter une explosion avec hein, pour le fun. Voilà.
qu'on va tester. Voilà, 505, franchement, je trouve ça pas mal. Ce que je pourrais même peut-être faire, c'est mettre des points en sagesse. Parce que j'ai pas regardé la sagesse que j'avais. 385, et si je monte... 437 points, ça fait combien? Plus 145 de sagesse. Ouais, je monte presque à 500 de sagesse. Ça fait plus 100, ça fait 485. C'est vrai que la sagesse, ça pourrait être pas mal pour retirer des coups critiques. Elle est... Ouais, voilà ce que je vais faire. Je vais mettre 201 en sagesse. Donc pile 200 en sagesse. Voilà. Et il reste en vita. Voilà, donc ça nous fait 3076 de vie. C'est parfait. 484 de sagesse, c'est assez énorme. 131 d'agi. Franchement, c'est pas mal, je trouve. On va faire un petit tour sur les stats avancées. Donc retrait de PM 64. Esquive PM, esquive PA 48. 38 coups critiques, 6 de portée, 1853 d'initiative, 67 de puissance, donc oui, on monte à, en agi, on monte, ouais, après plus ou moins à 800, ouais, presque à 800, 41 dommages fixes, plus 27 dommages R, l'hérésie, ça par contre, je suis vraiment fait content, 17% R, 27% en terre et en eau, 10% en air, seulement 7% en neutre, mais bon, c'est, il y a pire, on va dire. Résistance de coups critiques, j'en ai pas, résistance poussée non plus. Donc voilà, j'espère que cette petite, enfin cette petite, elle a quand même été longue, vidéo de mon roublard passé R vous aura plu. Je vous invite à mettre dans les commentaires si vous avez des conseils, parce que en fait le roublard R, ben, je connais pas encore très bien, il falloir un petit moment pour apprendre à jouer avec. Logiquement ça devra aller, hein, mais j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce vert à la vidéo si vous avez aimé. Allez, salut à tous.